Construit en 1976, ce bâtiment est prévu pour abriter le siège de l'Assemblée nationale. Mais depuis la fin des travaux, le bâtiment est resté inexploité. Comme l'Assemblée nationale vient d'avoir un nouveau siège, les autorités administratives décident de rétrocéder le terrain à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Mais avant de céder le terrain à l'ambassade des États-Unis, la mairie procède ce matin à la destruction du vieux bâtiment qui devrait servir du siège de l'Assemblée nationale. 10 secondes ont permis au siège de s'effondrer comme une glace dans l'eau. Pour le maire de la ville de N'Djamena, l'opération qui a permis de détruire ce vieux bâtiment est réussie à 100%. L'événement s'est passé sans incident et puis avec une très grande sûreté. Après la destruction du bâtiment, la mairie procédera au ramassage des gravats.